Et le désir se manifeste, c'est-à-dire, quand je dis se manifeste, prend de réalité, n'acquiert de réalité, que pour autant qu'il débouche sur une action qui vise à le satisfaire. Distingue tout à fait le désir de ce qu'on pourrait appeler la velléité. On connaît tous des gens qui voudraient devenir astronaute, médecin, premier ministre, grand écrivain, sauveur, mais qui ne se donnent pas les moyens de devenir. Donc, un vague rêve, etc. Alors que le désir, quand il est réel, débouche nécessairement sur l'action.